Salut, voici comment ne plus crash sur Brawl Stars. Et bien pour le faire, c'est évidemment très simple. Alors vous allez simplement faire une chose, c'est aller sur App Store et vérifier que votre application Brawl Stars soit à jour. Donc vous rassurez que vous avez la dernière version de Brawl Stars. Donc simplement ici, on va taper sur la barre de recherche Brawl Stars. Voilà. Là, on va sélectionner directement l'application et voir si elle est mise à jour. Donc simplement pour voir si votre application est mise à jour, c'est écrit ici directement à côté de l'application ouvrir. Ce n'est pas ouvrir, c'est mettre à jour. Et là, quand vous voyez ouvrir, ça veut dire clairement que l'application Brawl Stars a été mise à jour récemment. Voilà. Si après cela, le problème persiste, vous allez simplement aller sur l'icône de Brawl Stars et cliquer dessus. Voilà. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez l'option de supprimer l'application. Cliquez sur supprimer et vous réinstallez votre application Brawl Stars. Cela aura pour possibilité de résoudre votre problème. Mais il y a aussi une dernière option qui est vraiment radicale, qui vous permettra de résoudre finalement le problème si, après tous les états que vous avez montrés précédemment, il continue à persister. Voilà. Donc vous allez simplement aller sur l'application Brawl Stars. Et là, lorsque vous êtes sur Brawl Stars, vous allez simplement cliquer ici sur les trois barres superposées juste là à l'extrême droite. Cliquez dessus, vous allez sur paramètres. Ensuite, vous cliquez sur assistance, aide et assistance. Et là, vous aurez la possibilité directement de contacter le service client de Brawl Stars, qui est sur l'icône juste là à l'extrême droite, l'icône de message. Et là, vous pourrez dialoguer avec le service client pour leur expliquer quel est votre souci et votre problème sera résolu. Après réception de votre requête, elle sera analysée et vous aurez une solution très efficace à la résolution de votre problème de crash sur Brawl Stars. Donc soyez précis et concis et le service client vous trouvera une solution spécifique. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est aussi simple que ça.